What's happened? Comme ça, notre problème. Ok. Je m'en vais. Ce que ça fait rien pour tout. Okay. C'est le genre de problème que j'aime. On a détecté un problème! Ouais, pis, m'en gros, tu fais quoi? Ben, that's it. Let's play a fucking game. Bienvenue, les gars. Bienvenue à Soeur, on joue. On continue Jack et Lambine. Emma, il est pas là, là, ce fois-là, mais on continue la série de... On continue à essayer de battre Super Star Wars au Super NES. Ouais, on a décidé qu'on voulait faire un petit playthrough de ce jeu-là avant de se lancer sur d'autres choses pour tout de suite. Fait qu'on a décidé de fuck this game. C'est ça, on va. Fuck this game, on va le finir. On va la violer pis tout. Fait que dans notre dernier encounter qu'on a fait là, sur Star Wars, on était dans ce level-là. Ouais. Fait qu'on s'est réavancé jusque-là. On s'est retapé tout le début pour se rendre jusque-là pour faire yes, là on start ça. Fait que c'est parti mon Jack. C'est ça, on commencerait tout ce qu'on était, mais avec Emma en moins. Avec Emma en moins, pis collissement un gun trop fort pour l'aller. Ouais, c'est ça, on un petit secret là, on s'est mis, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe en fait là avec le jeu, mais quand tu fais juste tenir le piton du gun à cette heure, ben ça fait juste violer, ça mitraille tout, ça mitraille tout ce qui existe. C'est vraiment puissant là. Là faut que tu te recules. Ouais, ouais faut que tu fasses, tu fasses ton swag. Parce que si t'as pas assez de swag, y'a des lasers qui t'arrêtent dans ce jeu là. Fait que faut que t'aies du swag pour progresser. Ah, shit. Merde, comment tu voulais que je sache qu'il y avait ça, man? Ah, fuck. Je voulais pas trade, là. Ok, bon, c'est correct. Mais au moins, tu devrais être content, t'as une mitraillette à bombe nucléaire, t'as une chercheuse qui fait. Ouais, je peux dire. Juste à l'envers, les balles. Je piche à l'envers, pis ça se rend pareil. Yeah! C'est une gun trop fort pour la ligue. Ok, il y a plusieurs. Ah, ok. Fallait que je frappe la base. Oh, même les jumps dans ce jeu-là. Les real bits sont vraiment nice. Ouais, on a refait le petit tableau, évidemment, puis qu'il fallait monter sur le vaisseau, puis ça nous a pris vraiment du temps. Là. Ouais, c'est ben, vrai. Comme pas en plus que l'autre fois, ça a juste pris fuck de temps, parce que c'était niveau-là, tu voyais pas les jumps. Oh shit! Mais sinon, je trouve quand même qu'honnêtement, que le jeu il est quand même bien balancé. Là. C'est quand même vraiment cool la façon qu'ils ont fait ça. Il est pas cheat. Ouais, on s'en sort quand même pas bien. Mais c'est quoi les petites turrets qui tirent dessus, je comprends pas. Man, cette place-là, ça a jamais existé, ok? Ouais, parle-moi du bout dans Star Wars. C'est le bout dans Star Wars. C'est quoi ça? Ah, man, j'ai aucune astuce. C'est genre, arrête de te. Man, on le voit même plus, mais man, t'as un gun encore plus fort. Sacrement! What? C'est ton violet! Rapide ion, man. Man, je veux que tu gardes ça jusqu'à la fin du jeu. Fuck, c'est. Ça rebondit ses murs. C'est donc trop puissant. Ouais, ouais. Les balles normales aussi. Ah ouais, c'est vrai, il rebondit. C'est juste bien. Que là, t'as encore plus de fire rate. Oh, une Elsewhere. Ça sent le boss. Ça sent le boss fight. Ouais, j'avoue. Le jeu, il serait pas gentil de main avec toi. Hey, les astuces de plaques. What? T'es mort, man. Ça m'a tué. Genre c'est la plaque. C'est pas. T'es l'air dans du sable chaud, t'es mort. C'est la plaque la plus fuck all que j'ai vu de ma vie. C'est des balayeuses qui t'attaquent, on dirait. Check ça, on dirait une balayeuse. Ouais, c'est vrai. Là, ils font l'apparition au début de l'épisode 1, justement. Ben, ok, quand... ça existe pour vrai. Ouais, ce robot-là, ouais, quand Luke Skywalker s'en va pour acheter ses droïdes. Ils sont là. Il y a ces droïdes-là. Ça, c'est genre les. C'est genre les droïdes de President's Choice. Ouais. ils se promènent de côté, genre. Ils font vraiment ce bruit-là, genre. Là, c'est vraiment drôle. King de style, son of a fuck. Ah, regarde, ok, pourquoi je peux pas la passer celle-là? Je t'emmerde. je t'emmerde vraiment. Regarde le feu pis les lasers. Putain, je peux te péter. Ok, ça? Non. Est-ce oh, putain, fuck you. Yeah. Oh my god. Fait quoi que vous allez endurer du Star Wars encore pour un petit bout, ça a l'air. Alors, mais ça, c'est cool. Là. Je connais pas ça encore vraiment personne là, en passant. Là. Juste dans la semaine passée. Non, c'est là 2 semaines pour vous autres. Il y avait un épisode avec Lirette. Puis que
On a dit que ça ressemblait à un Stormtrooper, mais c'était pas ça. C'est un AT-ST. Ouais, c'est ça. J'ai appris que c'était un AT-ST en checkant pour une image que finalement j'ai pas mis, mais genre je suis plus culturé à Star, fait que je suis fier. Un jour, Jack, un jour. Un jour, je vais peut-être les regarder. Un jour, je vais réussir à t'avoir, puis tu vas devenir un vrai collègue de Star Wars. Mais genre, c'est pas que ça me tente pas de le regarder, c'est juste que je trouve ça laid de regarder un film tout seul. Là. Je fais juste pas ça dans la vie, là. C'est vraiment. Je sais pas, man, c'est juste. Toi, t'es plus le type cinéma, genre. Ben non, non, je veux juste dire que je regarderais pas un film tout seul. Genre là, tu me dis, genre, faudrait que tu regardes Star Wars pour arrêter d'être un esti d'épais, pour arrêter de juste pas rien comprendre à la vie. Pis là, moi, je fais comme K, mais je veux pas le regarder tout seul parce que c'est juste plate regarder un film tout seul. Je voudrais le regarder avec quelqu'un. Ouais, tu peux être ce qui que. Ouais, j'aimerais ça que tu regardes le film avec moi, Kevin. Ah, ok, vas-y. Ben Kevin ou n'importe qui. N'importe qui. Mais. Ben, c'est sûr que moi, écouter Star Wars. Toi, tu le réécouterais encore. Ben, c'est pas ça, la dernière fois que j'ai écouté ça. Ouais, c'est ça. En plus, tous les jeux que tu joues de Star Wars, que genre, ils reprennent tout le temps l'histoire. La de même boîte, genre, ouais, c'est ça. Fait qu'au final, c'est tout du jeu. Tu fais juste tout le temps regarder. Tu regardes le film en plus de regarder le jeu en plus de tout. Ouais. Ah ouais, tu t'es quand même low on life. Ouais, je suis low on life. Mais les estis de jeux de Star Wars, y'en a juste trop. Ben, y'en a. C'est une vache à lait, hein. C'est genre de. Ah, oh, tabarnak, c'est quoi ça, man? Je sais pas, ça existe pas dans. Ça existe pas dans l'univers de Star Wars. T'es mort. C'est le cri du désespoir. Ok, on va l'avoir, cette vie-là, c'est notre vie. Parce qu'en fait, pour vous autres, c'est genre, ça fait 3 secondes que ça a commencé, puis tout ce que vous voyez, c'est l'orbine qui crève. Mais nous autres, ça fait quand même 1h30 qu'on essaie d'avancer ouais, jusqu'à ça, là. Ouais, ça, on a tout refait le style début. On a appris de nos leçons, là, on a fait des save states. Ouais. Là, fait qu'on fera plus de game over. Avec la Super NES, on peut faire des save states à ce temps-là. Ouais, c'est une Super NES, c'est vraiment Super NES. Ouais, c'est une vraie NES Super. C'est une Ultra NES, genre. Elle a des dessins de Tortue Ninja dessus, là, pis. Plein d'affaires, nice. Des plein d'affaires, nice. By the way, sur ma vraie NES, tu sais, j'ai la fameuse cassette de Super Mario avec Duck Hunt. Ça sort quand crisse parce que ma TV elle te marche pas avec Duck Hunt. Pourquoi? Ben parce que c'est pas une TV cathodique, là. T'es obligé d'avoir fait ça. Que là, fait que ça choque, là. Ça joue juste pas. Mais non, by the way, je tiens juste à dire que t'as été dans le pit, pis ça t'a quand même pas blessé. Ah, t'as l'aider comme dans le côté, ça t'a rien fait. Mais c'est ça, il faut absolument avoir une TV cathodique pour jouer à des jeux de NES, là. Ben, je veux dire, avec des jeux avec un blaster. Ouais, mais ça fait juste pas tout l'écran, mais t'es capable quand même de jouer. Hein? Ben, en tout cas, ça allait fucking mal, là. Tu peux juste pas. Parce que moi, sur ma TV, ma Super NES chez nous, je joue à Super Mario World, genre, pis ça marche super bien, là. Ouais, mais je veux dire, les jeux avec les blasters, faut que tu tires l'écran, là. Ah, ok, ça doit choquer. Ouais, genre, ça choque. Mais oui, sinon, ça prend tout l'écran, pis au pire, le jeu est en 16:9, pis c'est vraiment laid. Ouais, c'est juste. Genre Mario Utah Base. Super gros Mario. Ouais, genre, il est tout le temps large. Il a pris des vacances, un petit peu trop Mario. Voyons! Je veux avoir mon lance-missile. Je veux avoir mon lance-missile. La prochaine fois, sur Astor, on joue, Kev va avoir son lance-missile. Ok, cool. Bye. Bye. Loader notre safe state. C'est ça. Faut juste me déplacer pour pas que ça me donne exactement la même place. Genre.